pas de bande déterminée non plus. Tout simplement parce que les émissions sont assez. Enfin, les temps d'émission sont assez aléatoires. Moi, ici, j'ai de la chance que je suis en congé, donc je profite pour pouvoir faire un peu plus. Et les deux autres stations, N75, BAF, étant à l'école royale des sous-officiers, ils sont pas tous les jours, donc ils émettent quand ils ont réunion, et en général c'est le mercredi soir et le vendredi soir. Et pour ON75, Bravo Foxtrot Sierra, mais elle est placée en Florène, et il y a un chèque là-bas aussi, et ils y vont une fois de temps en temps, hein, donc sont pas, ceux qui sont opérateurs pour ces deux stations-là ne sont pas des OM qui sont encore actifs à la Défense et qui travaillent à un temps plein à la Défense. De toute façon, ils n'auraient pas le temps même s'ils y travaillaient. Donc c'est assez aléatoire le temps d'émission, hein, Christelle. Pas quand j'aurai des nouvelles concernant Florène. Normalement, je sais à l'avance quand ils sont QLV. Donc, je t'enverrai un mail. Mais je ne sais pas te dire du tout quelle est leur fréquence exacte qu'il faut chercher. Il faut chercher parce que je n'ai pas partisan de mettre une fréquence exacte parce que voilà, on n'est pas actif tout le temps et il suffit que cette fréquence soit occupée. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. On n'est pas une grosse expédition, en fait, hein. Donc les grosses expéditions peuvent se le permettre, mais pour nous, c'est pas possible. Donc je cherche une fréquence qui est libre, et puis j'appelle là, du moins pour moi, et c'est la même chose pour les autres stations. Ok, pour la FD4, moi, elle fait, normalement, on dit aussi 42 mètres, la mienne, elle fait 41 mètres et quelque chose. Je l'ai fabriquée en 2002, quand j'avais passé mon examen de COE. J'avais que ça comme antenne, d'ailleurs, au départ, mais maintenant, je ne l'utilise plus que sur les 80 mètres, principalement. Tout à l'heure, j'ai fait pas mal de tissus quand même, sur le 40 mètres, mais en théorie, sur le 40 mètres, j'utilise mon dipôle rotatif, voilà. Ici, sur le 80, j'ai aussi une verticale,
mais je ne sais pas l'utiliser pour le moment. Il faudrait que je remette les radios, une partie des radioles que j'avais enlevées pour des broussailles ici au côté de l'antenne. Donc, je dois les remettre, mais je n'ai pas encore eu le temps, et surtout que le WX n'était pas super élevé de ces jours-ci. Hein. Voilà. Pour te donner une idée, j'ai commencé mercredi à. Mercredi, c'est payé, si je ne me trompe pas, à y mettre. Et j'ai fait donc 80 mètres, 40, 20. Et avec toi, je suis à 708 ISO. Mais je passe pas ma journée non plus. Hein. J'ai fait quelques heures comme ça aujourd'hui. Voilà, la propagation n'était pas extraordinaire non plus. Sur les bons taux. Malgré que j'ai quand même réalisé quelques DX, entre autres les États, l'Équateur, l'Indonésie, l'Australie, la Martinique, je pense, ce sont les principaux que j'ai contactés tout à l'heure, le Barnum aussi. Donc voilà, il y avait des situations où il y avait un très profond qui est pris pour les comptes aujourd'hui, même ce soir, sur le 80 mètres, c'était flagrant. Voilà. Mais on peut en reparler si tu veux. J'ai des infos concernant les activités de N75 BFS, un indicatif avec Yaesu, N4 BFS, je te les enverrai. Maintenant, si je suis au courant, par contre, pour Saint-Tron, je suis pas toujours au courant, ils n'annoncent pas toujours leurs émissions. Voilà, moi j'ai annoncé que c'était actif toute cette semaine, avec cet indicatif-ci, mais voilà, j'ai pas mis d'heure, parce que c'est au moment où j'ai la possibilité, j'en profite que je suis en congé en fait. Oscar Novembre 4 Papa Echo, Oscar Novembre 75 Alpha Foxtrot. Oscar Novembre 4 Papa Echo,